rappel, c'est l'heure de la sieste de Daniel. Le jouet musical est endommagé et n'est pas réparable. Attention, Daniel est en danger. Bonjour, il faut jeter ces cochonneries et manger sainement. C'est facile. Oh. Attention, le jouet musical est endommagé et n'est pas réparable.
J'essaie de regarder la télé. Qu'est-ce que tu regardes? Hé, dégage, c'est à moi. La sieste est terminée. Réveillez Daniel. Tu comprends, Joey? Sortez d'ici, les rats à plumes! Abracadabra. Hein? La punition se termine à 16h. Wow. Ah. 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 Daniel? Daniel! Hein? Hein? Recherche de Daniel. Daniel non trouvé.
recherche de Daniel. Daniel non trouvé. La porte n'était pas du tout fermée. Hein? Je suis libre, super. Recherchez Daniel. Daniel localisé. Commencez opération de sauvetage. Oh,
impossible de localiser le portail de téléportation. Portail localisé. Pas tenu ta promesse, Joey. Je n'ai pas d'autre choix que de prolonger ta punition. Alimentation temporairement suspendue. Attente que la bouche s'ouvre. La bouche est ouverte. Commencez l'alimentation immédiatement. Ha ha ha!
Harpo, je t'ai cherché partout. Viens avec moi une minute. Aïe, aïe, aïe. Harpo, j'ai des cadeaux très spéciaux pour Daniel. Les adorer. Ils ne sont pas toxiques et sont respectueux de l'environnement. Maintenant, mets-les là-bas, s'il te plaît, d'accord? Ou peut-être contre le mur? Harpo, tu m'écoutes? Harpo, c'est très important. Oh! Harpo!
Et bienvenue sur XYZ News. La police a signalé un nouveau vol la nuit dernière. Il est conseillé à tous de prendre des précautions supplémentaires pour protéger leur famille et leur maison. La police a recommandé l'installation de caméras de surveillance, ce que je vais maintenant montrer avec ma propre maison. Ha ha! J'ai fait installer les miennes il y a des années, mais voyons ce qu'il en est des vitres de sécurité. Ok, maintenant, la première caméra se trouve dans mon grenier. Et voilà, voici la chambre de mon fils Joey. Pardonnez le désordre. Vous savez comment sont les garçons. Voici la chambre de mon petit ange Daniel. Ce n'est pas mignon? Et où est Daniel? On aimerait bien le voir à la télé. Je ne suis pas sûre. Il pourrait être dans le salon ou peut-être dans la cuisine. Oups, c'est le couloir de l'entrée. Essayons encore une fois. Oh oui! C'est notre nounou robobo Harpo. Coucou Harpo! Et... où est donc mon petit ange, Daniel? Daniel!
Est-ce qu'il dort? Où es-tu? Coucou, Daniel! C'est maman! Comment va mon petit chou à la crème? Harpo, fais un tour pour nous. Ma petite fraise veut passer à la télé, n'est-ce pas? Waouh! Daniel lit souvent des livres? Eh bien, il aime apprendre. Je suis très fière de fixer des normes élevées pour mes enfants. Il faut exposer les enfants à des matériaux intellectuellement stimulants dès leur plus jeune âge. C'est tout ce qu'il y a à faire. Bien sûr. Maintenant, vérifions les autres caméras de surveillance à l'extérieur de la maison. Toucher le jackpot. Alerte rouge, bébé Daniel est en danger d'inhalation de fumée toxique. Je répète, bébé Daniel est en danger d'inhalation de fumée toxique. Ça sent pas bon. Il y a une caméra? Ça sent pas bon. Pas bon du tout. Thank you.
Mais c'est une blague!
Allô? 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 Quelque chose. Thank you.
attention, excès de piment détecté, symptômes d'indigestion, d'inflammation de la langue, de décoloration de la peau et de transit intestinal rapide. Ouvre la porte! Papa, je peux t'expliquer. La punition se termine dans 24 heures. Ah. Cool. Ouais. Oh. Attention, projectile en approche. Contamination virale détectée. Niveau de menace élevé et extrêmement dangereux pour l'homme. Oh. Alerte rouge. Évacuez Daniel immédiatement. Pratique. Joey! J'arrive, Joey! Ouvre la porte, Joey! Le docteur Emma est là pour te soigner! Joey, j'arrive! Mm-hmm.
Attention, le vieux contaminant se multiplie rapidement et se répand dans l'air. Emma, ne t'approche pas, tu vas tomber malade. Non, j'ai ce masque. Tant que je le porterai, je serai à l'abri de tous les microbes. Maintenant, ouvre grand la bouche et dis « Ah !» Attention, le vieux contaminant approche. Le vieux contaminant se régénère rapidement. Commencez évacuation immédiatement. Attention, vieux contaminant détecté. Le périmètre de sécurité a été violé. Attention, le biocontaminant a franchi le périmètre de sécurité. Distance approximative, 8 mètres, 7 mètres, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La porte est scellée. Ne t'inquiète pas, Joey. C'est une procédure parfaitement normale. Reste calme. Ça ne sera pas mal du tout. Quelque chose ne va pas? Il fait trop froid?
Pauvre Joey, tu dois avoir de la fièvre. On va te réchauffer un peu. Normal, tes yeux sont toujours bleus. Laisse-moi prendre ta température. Bon, où est-il? Hein? Là, mon petit thermomètre. Ah, c'est bon, Emma. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Ne sois pas bête, Joey. Ça ne prendra qu'une seconde. Hé, hey, mon masque! Emma, ma chérie, c'est l'heure de prendre ta température. Ha 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 ha!